فالحمد لله فالإنسان يمكن له يكون حاس إلا بالشعور يعني واحد الفرحة كبيرة. فالحمد لله من بعد التدريب اللي قمنا بها يعني على المستوى يعني التقني ولا البدني في اونيفو ديال لي سيت المنصورية يعني طنجة ايتو مراكش وسي، فالحمد لله ربي ما خيبناش واستطعنا أننا نحقق الفوز على يعني فرق اللي هي عتيدة في هذه الرياضة هذه مثل البرتغال. والحمد لله يعني كما شفتوا كانت مباراة جد قوية، وبفضل يعني التكتيك ديالنا استطعنا اننا نضمنوا ونحققوا الفوز الحمد لله. Et c'était une super compétition, on a été très bien accueillis dans des clubs magnifiques avec des très beaux terrains, des chevaux de qualité, on a fait des très beaux matchs. Et franchement c'était un plaisir de découvrir le Maroc dans ces conditions et d'avoir joué ici. Moi c'était la première fois et pour la plupart d'entre nous c'était la première fois. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir l'année prochaine ou une prochaine fois. En tout cas, c'était vraiment une très très belle compétition et une très très belle équipe du Maroc qui a gagné aujourd'hui contre le Portugal. C'était vraiment félicitations à tout le monde. Le polo au Maroc est très ancien, c'est depuis 1899 dans la ville de Tanger. C'est la première ville qui a connu la constitution d'une équipe de polo. Et c'était grâce à la délégation diplomatique britannique. Ensuite, il y a eu la formation d'une petite équipe dans la ville de Fès, ensuite à Casablanca, ainsi de suite. En 2006, il y avait la création de la Fédération Royale Marocaine de Polo et on voit maintenant la concrétisation des efforts par cette victoire. Ce n'est pas la première victoire de cette équipe. Donc cette année-là même, on a remporté le trophée international militaire au Nigeria face à une équipe très célèbre dans le monde entier, l'équipe du Pakistan, une très grande nation de polo. Et aujourd'hui, on a vu c'est un petit peu la concrétisation des efforts de la fédération, soit dans la préparation des infrastructures nécessaires pour la pratique du polo, c'est-à-dire les terrains. Et cette année-là, on avait l'exclusivité d'organiser le trophée simultanément sur quatre terrains, dans quatre villes différentes, c'est Rabat, Tanger, Asela et la ville de Mansouria. Bon, pour commencer le polo, il faut d'abord aimer le cheval et savoir monter à cheval. Pour information, nous avons une école de polo ici même, dans ce club-là. Elle est gratuite et ouverte aux jeunes cavaliers. C'est une pépinière pour les cavaliers. À partir de 14 ans, on accepte les jeunes cavaliers, des jeunes qui aiment pratiquer le sport. On leur fournit les chevaux, l'équipement pour pratiquer et les infrastructures, c'est-à-dire les terrains. Donc la fédération prend en charge tout ça. Il faut juste la volonté pour venir jouer ici.